Amis cueilleurs, randonneurs, bonjour, c'est avec Poppy qu'on se retrouve aujourd'hui dans le massif de la Gardiole. Regardez ça, allez, comme c'est joli. Pourquoi? Ben, on en voit un petit peu partout là d'ailleurs. Une chose qui pousse ici naturellement, regardez la belle touffe là. Poppy l'attend, il est sage. Le romarin, c'est le moment en ce moment, février-mars. C'est le moment de le prendre en sommité fleuri pour faire des petites préparations bonnes pour la peau. Donc comme toujours, on va cueillir comme cela. Sans, vous voyez, regardez, on ne voit pas trop en fait que j'ai cueilli. Voilà, on prélève sans piquer tout. S'il vous plaît, faites comme moi, ramassez comme ça la cueillette. Donc il va m'en falloir pas mal. J'ai plein de petites préparations sous le coude là. Que je vous présenterai. Après, il y a d'autres choses peut-être à ramasser. On va aller voir un petit peu plus loin. Les Poppy attend déjà. Alors, suivez-moi. Regardez ça comme c'est joli. Alors, l'avantage du romarin, c'est que c'est facile à cueillir. Et là, comme on peut le voir, il y a aussi du thym. Bon, bah, pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Et c'est pareil. C'est plus efficace quand il est fleuri. Donc, on va attendre la floraison qui va être après, je crois. Regardez, hop, on casse. Vous voyez, on voit quasiment pas que j'ai prélevé. Et ça, c'est le plus important. Donc, il y a pas mal de choses que la nature nous offre. Alors, si vous n'avez pas la chance d'être en Méditerranée et de trouver du romarin, vous pouvez en avoir aussi dans votre jardin. C'est une plante qui pousse très bien. Au sec, terre calquée, regardez. Ils sont superbes. Et il y en a partout. Donc c'est pas la peine de piller un pied. Ouais, c'est beau hein. Et voilà, regardez, il y en a vraiment partout. Que dire de plus sinon? Je vais cueillir, je vais les faire sécher 2-3 jours et on se retrouve la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu mes petites préparations que je vais faire. Ça sera une spéciale dédicace pour l'amie Françoise qui se reconnaîtra. Allez, ciao ciao. Allez, Poppy dans le romarin, c'est beau. À la semaine prochaine. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt. François Paul. Petit pas pour la planète, un grand pas pour l'humanité.